Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 39-21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. 13h14 sur Europe 1, Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Dans un instant, nous parlons avec vous au 39-21. Les expulsions de locataires, elles sont en hausse, mais on est à 5 jours de la trêve hivernale. Vous êtes directement concernés, locataires ou propriétaires, appelez-nous au 39-21. Mais avant cela, Jean-Michel, les arrêts maladie de longue durée augmentent le risque de se retrouver au chômage dans la foulée. C'est une étude du ministère des Affaires sociales qui le dit. Bonjour Gabriel. Oui, bonjour Jean-Michel Apathy. Vous êtes à Sarrebourg. Exactement. Et vous avez eu un cancer il y a quelques années qui a profondément perturbé votre vie professionnelle. Exactement, il m'a dit tout court d'ailleurs. Vous nous racontez. J'ai m'interpellé immédiatement. Bien sûr. En 2000, j'ai eu un cancer, oui. Effectivement. Donc, intervention chirurgicale, tous les traitements lourds possibles, voilà. Mm-hmm. Suivi d'un arrêt de travail, bien sûr, de plusieurs mois. Oui. Puis un mi-temps thérapeutique durant lequel j'ai eu à faire un travail totalement inintéressant qui n'avait pas grand-chose à voir avec ce que je faisais auparavant. Votre travail était dans quel, dans quel secteur professionnel vous étiez employé? J'étais secrétaire. D'accord. Une équipe d'ingénieurs au CEA. Et donc à Fontenay-aux-Roses. D'accord. Et à partir du moment où vous êtes retourné au travail, on vous a en quelque sorte déclassé? Oui, oui. J'étais mise comme comme on dit au placard, quoi. J'ai fait un travail totalement inintéressant. C'est-à-dire qu'à la douleur et à la difficulté de la maladie, le retour au travail s'est mal passé pour vous? Très mal, oui. Oui, parce qu'on avait mis quelqu'un d'autre, et cette personne, ben, elle est restée. On ne l'a pas fait partir quand moi je suis revenue à mi-temps thérapeutique, parce que le mi-temps ben, ne les intéressait visiblement pas. Donc on m'a fait faire un travail à mi-temps. Il pouvait se faire à mi-temps. Et du coup, ensuite, comment ont évolué les choses dans votre entreprise, Gabrielle? Alors, au bout de peu de mois, quelques mois seulement, un jour, j'ai eu un appel à 16h45 de l'assistante sociale du CEA, qui était donc juste quelques bureaux plus loin, qui me dit « Vous arrêtez de travailler ce soir ». Je dis « Comment ?» Elle me dit « Oui, vous arrêtez de travailler ce soir, madame ». Je dis « Mais expliquez-moi pourquoi ?» Elle m'a répondu textuellement « C'est comme ça, vous arrêtez de travailler ce soir ». J'insistais, mais laissez-moi au moins finir le mois. Elle m'a répondu, et c'est pas la peine de revenir demain, on ne vous payerait pas. Vous êtes en invalidité, parce que je venais d'être mise en invalidité, et du coup, vous pouvez vous arrêter de travailler. C'est extrêmement violent, effectivement, comme Très méthode. Violent, oui. Voilà. Et quelques jours après, il se trouve que j'ai vu le médecin du travail, parce que c'était prévu. Oui, en fait, c'était pour la visite de reprise du travail. Donc, ils ont fait quelque chose qui n'est pas légal. Ils m'avaient fait reprendre le travail avant la visite de reprise du travail chez le médecin du travail. Oui. Vous voyez ? Donc, quand j'ai vu ce médecin, je lui ai expliqué ce qui venait de se passer pour moi. Il a bondi de sa chaise et m'a dit « Mais vous êtes là, je ne sais plus s'il m'a dit la sixième ou la huitième personne, qui me raconte exactement la même chose en quelques jours, mais il faut aller au prud'homme ». Ce que vous avez fait, en fait, Gabriel. Pardon. Ce que vous avez fait, Gabriel. Non, j'y suis pas allée parce que voilà, ce qui se passe, c'est que l'entreprise, le CEA, était en pleine restructuration à ce moment-là. C'est pourquoi j'ai été mise dehors. Hein. Mm-hmm. Comme vous le savez peut-être, il a été scindé en deux. Une partie est devenue IRSN, Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. Mm-hmm. L'autre partie restait CEA, Commissariat à l'énergie atomique. Mm-hmm. Et là, ils ont eu besoin d'écrémer, comme on dit. Hein. Et c'est comme ça qu'ils ont mis dehors, en extrêmement peu de temps, toutes les personnes qui dérangeaient un peu comme moi, les mi-temps, entre autres. Voilà. Mais du coup, vous n'avez pas fait de procédure, mais vous avez vécu tout cela, évidemment, très mal et comme une injustice, d'une certaine manière. Oh, une grosse injustice, oui. Donc, j'étais encore un petit peu faible physiquement, un petit peu faible moralement. Et pour aller au prud'homme, eh bien, il faut être soutenu. Et les syndicats, à ce moment-là, eh bien, tout le monde était dans ses petits souliers, comme les médecins du travail, parce que tous, ils ne voulaient qu'une chose, c'est trouver une place dans la nouvelle structure. Et même le médecin du travail, eh bien, j'en ai plus jamais entendu parler. Il s'est fait tout petit après ça. Donc, je me suis débrouillée toute seule et je me suis arrêtée de travailler le lendemain. Et comme il me manquait donc des trimestres, oui. Bien, ma retraite, forcément, s'en ressent aussi financièrement. Oui. Donc, sur tous les plans, ça a été un gros choc. Et c'est toujours encore difficile puisque la petite retraite, eh bien, je la vis tous les jours.
Bien sûr, on comprend, voilà. On comprend l'enchaînement des difficultés et aujourd'hui la situation que vous décrivez. Merci Gabriel d'avoir apporté votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1 à propos de ce sujet des maladies longues qui peuvent perturber profondément la carrière professionnelle que l'on mène. Et c'est aussi le cas de Dominique qui est au Mans. Bonjour Dominique. Oui, bonjour Jean-Michel Apathy. Vous avez eu des problèmes à une épaule, c'est ça? Tout à fait. Et ça a modifié de quelle manière votre vie professionnelle dans l'entreprise, Dominique? Alors en fait, moi j'ai eu une tendinopathie pendant 2 ans. J'ai essayé de continuer à travailler avec. Ou à la fin, c'était plus possible parce que je travaille auprès de personnes handicapées, donc les aider au transfert dans les fauteuils et tout ça, et beaucoup de conduite. Tout ça était trop douloureux pour votre épaule, d'accord? Douloureux, oui, très douloureux. Mmh. Et donc, au bout de 2 ans, et par rapport aux examens qui avaient été faits, on m'a dit il faut vous arrêter, donc ce que j'ai fait. Au bout de 3 mois d'arrêt, avec mon médecin traitant, on a demandé un mi-temps thérapeutique qui a été refusé. Mmh. Ensuite, je me suis rapproché de l'organisme, le SAMET, pour voir adapter le poste par rapport à mon problème de santé. Mmh. Donc notamment au niveau du véhicule, boîte automatique et une rampe électrique pour décharger le matériel. Et les rendez-vous pour finaliser le dossier, le PDG nous a plantés. Donc c'est toujours l'entreprise ou l'association qui vous employait qui a fait défaut quand il s'est agi d'aménager votre poste de travail? Tout à fait. D'accord. Ensuite, donc, il n'y avait plus que l'opération pour espérer retrouver mon épaule en bon état sans aménagement de poste, puisque ça n'avait pas abouti. Oui. Donc, je me suis opéré. Donc, ça, c'était 1 an et demi après mon arrêt. Oui. Et j'avais prévenu 3 mois avant mon opération le nouveau PDG que j'avais entre 3 mois et 6 mois de rééducation, voire même 9 mois avant de récupérer mon épaule. D'accord. Donc, ils étaient au courant en juillet. Moi, j'apprends après, fin d'année, que les heures supplémentaires, la loi avait changé, c'est-à-dire qu'on pouvait plus revenir 5 ans en arrière, mais plus que 3 ans. J'avais 540 heures supplémentaires que j'avais acquis en 2 ans. Donc, je leur renvoie un courrier recommandé, auquel j'ai pas eu de réponse. Donc, après, je passe par les prud'hommes. Oui. On me paye ces heures supplémentaires en janvier. Et à partir de fin janvier, par l'intermédiaire de mon avocat, on me propose une rupture de contrat conventionnel. Donc c'est une affaire assez récente, alors votre histoire remonte tout à fait. Quelques mois peut-être. C'est encore en cours. D'accord. Je suis licencié, mais alors je ne suis pas inapte, je ne suis pas reconnu inapte. Mais là, vous n'êtes plus dans l'entreprise, là, actuellement. Vous ne travaillez plus. Et le lien avec l'entreprise s'est modifié, distendu, puis finalement a été rompu à cause de la maladie. Tout à fait, par l'article 11. C'est-à-dire que, a priori, c'est pas très connu. Mais c'est quoi l'article 11? Je connais pas. Bah, l'article 11, en fait, c'est... Je vais vous lire exactement ce qui a été dit. C'est pas trop long. Hein, c'est pas trop long. C'est juste que vous désorganisez la société. Ah d'accord, oui, c'est assez court. C'est-à-dire que c'est un article qui est dans le Code du travail. Si vous désorganisez la société par votre comportement par le fait d'être en arrêt maladie. Ah d'accord, mais c'est l'article 11 de quoi, là, que vous citez? De la convention collective. De la convention collective. D'accord. C'est même si vous êtes apte à votre poste et si vous êtes arrêté depuis plus de 6 mois, vous pouvez vous retrouver licencié. Et du coup, aujourd'hui, vous avez été licencié, donc? J'ai été licencié avec toutes les... Enfin, bon, bref, j'ai été licencié en avril. La notification a été faite en avril 2013. D'accord. Vu que j'étais en arrêt maladie, ma société ne m'a pas payé le préavis, alors qu'elle était obligée. Mais voilà. Et il est comble de l'histoire, c'est une société qui travaille dans le paramédical et qui n'a pas non plus levé ma clause de non-concurrence. Donc ça veut dire que je suis licencié, mais je ne peux plus retravailler pendant 1 an dans ce domaine. Ouais, elle n'est peut-être pas très légitime, la clause de non-concurrence, dans votre situation. Mais enfin, ça, un avocat vous aidera peut-être à vous débrouiller de tout ça. Là, vous êtes au prud'homme, d'ailleurs. Vous êtes au prud'homme. Parmi vos auditeurs, il y a quelqu'un qui écoute et qui fait partie d'une association qui aide des salariés par rapport à ce genre de licenciement, je voudrais bien avoir les coordonnées. Quoi. Vous êtes preneur d'un coup de main et éventuellement, si quelqu'un nous passe un message dans ce sens, nous lui communiquerons peut-être vos coordonnées, si vous en êtes d'accord, Dominique. J'en suis d'accord. D'accord, donc c'est ce que nous ferons et en tout cas, on comprend bien à l'écoute de votre témoignage que là aussi, la maladie a désorganisé votre vie professionnelle et que ceci a été jusqu'à la rupture du lien qui vous unissait à l'entreprise et qui vous employait. Merci Dominique d'avoir apporté votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Marie.
Oui, bonjour. Vous êtes à Clermont-Ferrand. Oui, c'est ça. Et vous aussi, vous avez été arrêté assez longtemps l'année dernière à cause d'une fracture, c'est ça? Oui, 4 mois, un petit peu plus, même 4 mois et demi. D'accord. Et ça a eu quel effet? Alors, moi, c'est quand même bien moins pire que les auditeurs précédents. Hein. Oui. Mais bon, bien sûr, tout ce qui est prime, tout ça, bon, on n'y a pas droit, mais ça, à la limite, c'est logique puisqu'on ne travaille pas pendant la période, donc voilà. Mm-hmm. Mais par contre, moi, c'est ma 6e semaine qui m'a été sucrée, en fait, du coup, puisque la 6e semaine de congé, les papiers ont été distribués. Ah, on vous a perdu. On vous a perdu, Marie. Les papiers, on vous a perdu juste là. Allez-y, répétez. Oui, je disais, les papiers ont été distribués pendant que j'étais en arrêt maladie. Oui, les papiers pour faire les vœux de congé, voilà, d'accord. Voilà, et moi, personne ne me les a fait passer. D'accord, oui. Et donc, il m'a été répondu tout simplement que j'aurais dû les demander, en fait. Voilà, bon, moi, je ne savais pas que c'était... voilà, quoi. Donc, et du coup, comme vous n'aviez pas fait état de vœux pour cette 6e semaine de vacances, on vous a dit que tu ne la prendras pas. Oui, voilà, c'est ça. C'est trop tard. Maintenant, il fallait la demander à ce moment-là. Ben, j'ai dit oui, mais moi, on ne m'a pas prévenu. Ah ben, c'était à toi de faire la démarche. Vous étiez cassé la cheville, c'est ça? Et donc, c'est ça. Une immobilisation, un éloignement de l'entreprise pendant 4 mois. C'est ça. D'accord. Et puis, ben, pas un seul coup de fil du patron. Quand il avait mes arrêts maladie, en fait, qui ont été renouvelés. Oui. Plusieurs fois. Mmh. Et bien, il a appelé une collègue à moi en disant appelle-la, demande-lui, voilà. Alors qu'il aurait pu lui m'appeler en direct, quoi. Mmh, d'accord. Donc, et puis aussi, c'est ce que je disais à votre standardiste, les petites réflexions du genre ah bah oui, mais ça nous met dans l'embarras. Bah oui, c'est une personne de moins, donc voilà. Mais évidemment, quand on travaille, on fait pas de sport, parce qu'en fait, je me suis cassé la cheville en faisant du sport. Ah oui, d'accord. On peut dire donc, ça voilà. quand on travaille, on fait pas de sport. Ça, ça limiterait le nombre de pratiquants. Alors, de manière assez radicale. Oui, voilà. Et puis bon, la cheville, on peut se la casser en sortant de la douche. Hein, donc oui, quand on travaille, on prend pas de douche. Enfin, je sais pas. Oui. En tout cas, ce que votre témoignage, qui n'est effectivement pas aussi grave que ceux qui précédaient, montre, c'est que quand même dans la communauté professionnelle, un arrêt maladie un peu long peut créer beaucoup de problèmes, y compris des problèmes relationnels. Ah oui, et puis moi j'ai des collègues qui devraient se faire opérer, par exemple canal carpien, tout ça. Et qui ne le font pas. Et ils repoussent parce qu'ils ont peur de se mettre en arrêt maladie. Ou alors ils le font même sur leur temps de vacances, parce que sinon c'est mal vu, quoi. Bien sûr. Mais ce sont des réalités professionnelles dont nous sommes heureux de parler à l'occasion de la publication de cette étude du ministère des Affaires Sociales, parce que finalement, ces choses-là, on les sait, mais elles sont souvent tenues de manière discrète, un peu à l'écart du débat public, et c'est un peu dommage. Donc, merci Marie d'avoir apporté votre témoignage. Bonjour Caroline. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes à Paris? Oui. Vous êtes peut-être cadre supérieur dans la banque, mais peut-être que non, vous l'êtes toujours. Oui, je le suis toujours, donc je n'ai pas été licencié, mais j'ai vécu donc en 2008 un cancer du sang important, donc un arrêt important, et quand j'ai entendu votre sujet, c'est aussi le côté, en dehors du licenciement, qui bien sûr est gravissime, c'est le côté double peine suite à la maladie. C'est ça. Bon. C'est une maladie répandue, mais difficile à vivre. Double peine de quelle manière pour vous, Caroline? Quand j'ai repris mon travail après un arrêt, j'ai repris directement à temps plein parce que j'étais responsable de 10 personnes et ça ne se prêtait pas à un temps. C'était pas possible. L'arrêt avait été long? Oui, un an. Un an, d'accord. Un an. Et il y a eu une réorganisation dans les mois qui ont suivi, et mon poste a été supprimé. D'emblée, on m'a dit il restera comme poste, c'est pas toi qui l'auras. D'accord. Donc, comme ça, on me l'a dit cash, voilà. Et j'avais dit je suis prête à changer de poste, mais le côté double peine, c'est aussi arrêt de la carrière, division du bonus par 3. Et quand j'ai vu comment ça se présentait, enfin le début de mon nouveau poste se présentait très mal, j'ai eu une année très très difficile, je me suis rapprochée d'un avocat qui m'a poussée au bout d'un moment à écrire, et je pense que ça leur a fait un petit peu peur. J'ai appris par une amie qui était au service contact qu'ils avaient fait une provision
parce qu'ils avaient peur que je les attaque. Chose que je n'ai pas fait, j'avais 16 ans de maison, et j'avais envie que les choses se passent comme il faut. Se passait bien, oui, bien sûr, bien sûr. Mais ça m'a permis, en fait, le fait d'être un avocat, d'avoir l'avocat, ça m'a permis de leur imposer. J'avais une voiture de fonction qui allait sauter au renouvellement. Mmh. Ça m'a permis d'obtenir que ça soit écrit sur mon contrat, ce qui n'était pas le cas, de façon à ce que je puisse la conserver, ce qui, sinon, ça aurait été, elle aurait été supprimée déjà depuis 2 ans. Donc déjà, il y a les bonus en moins, il y a le salaire qui augmente plus depuis 5 ans. Mmh. Alors là, je suis en arrêt parce que j'ai fait une récidive. D'accord. Mais par contre, le côté humain aussi, des proches, j'ai eu là, cette fois, mon N+1 et mon N+2 qui ont été formidables. Et à un moment, justement, l'année où c'était difficile pour ma société. Et ils avaient commencé à établir des listes de gens éjectables. D'accord. Et on m'avait mis sur cette liste. Mmh. Et c'est mon N+1 et mon N+2 qui ont dit, elle n'est pas concernée. C'est-à-dire vos supérieurs qui ont fait preuve d'un peu d'humanité et qui vous ont aidé dans cette situation difficile. Merci Caroline et merci aussi à tous les autres de nous avoir apporté ces éclairages sur la maladie et votre vie professionnelle. Nous poursuivons le dialogue dans une minute. Et c'est la suite d'Europe Midi. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Vos témoignages sur l'actualité comme chaque midi. Nous allons parler des expulsions de locataires. Elles sont en hausse. On est à 5 jours de la trêve hivernale. Et certains auditeurs qui sont directement concernés sont en ligne avec nous, Jean-Michel. Bonjour Damien. Oui, bonjour. Vous êtes dans la région parisienne ? C'est ça. Et vous avez été expulsé cet été, le 21 juillet ? Exactement, j'ai été expulsée le 21 juillet, donc avec ma famille, mes 2 enfants. Vous avez 2 enfants en bas âge ? C'est ça, 5 ans et 2 ans. D'accord. Donc vous avez été expulsée et on vous a proposé un autre logement ? Comment se sont passés ? Non, pas du tout. On a été expulsée le 21 juillet, nous avons une demande de logement depuis 2009, un DALO prioritaire depuis 2013, et jamais aucune proposition n'a été faite, même à ce jour, en étant sans domicile fixe. Là, vous êtes sans domicile fixe avec 2 enfants en bas âge. C'est ça. Donc, vous êtes hébergé, j'espère, pour vous, chez des amis ou... Ah oui, chez des amis, à droite, à gauche, ça dépend. Vous étiez dans le logement social ou en logement privé ? Non, privé, 20 mètres carrés, et la propriétaire voulait récupérer pour reprise personnelle. D'accord. Ah oui, donc du coup, ce n'est pas un problème de non-paiement de loyer non, qui a entraîné... Tout, non. Et pourquoi alors une expulsion ? Parce que vous refusiez de... Vous ne vouliez pas quitter cet appartement parce que vous n'en aviez pas d'autre, c'est ça ? Non, on m'a jamais fait de proposition et mon mari est seul à travailler, donc on n'a pas les moyens de se relouer en privé. D'accord. Et du coup, la procédure est arrivée jusqu'au bout et un jour, le matin, on est arrivé, la maison était fermée. Ah, d'accord. Très brutalement, donc, vous avez dû trouver une autre solution. Voilà, exactement. Si on peut appeler ça une solution. Hmm. Et là, ça fait combien 21 juillet, donc ça fait 3-4 mois que vous êtes dans une forme de précarité. Voilà, on est inscrit à l'association Le DAL. Oui. Et on a fait un campement depuis le 30 juillet à Place de la République. Mmh. Et on y est depuis le 30 juillet pour manifester. D'accord. Et vous, alors là, pour le cas, le cas personnel, vous attendez quoi ? Que dans le logement social, une municipalité vous fasse une offre ou qu'est-ce que... Moi, je faisais partie du 93, les Lilas. Et le maire ne veut plus avoir affaire à nous. On nous envoie à la préfecture nous envoie à la mairie. Et aucun des deux n'est prêt à nous donner quoi que ce soit jusqu'à maintenant. D'accord. Et donc là, à l'entrée de l'hiver, vous êtes sans solution, là, bien. Exactement. Et mes enfants sont domiciliés dans le 93. Donc, on fait le trajet tous les matins, 1 heure aller, 1 heure retour. On passe la journée dehors en attendant que les enfants finissent l'école. Donc, c'est très dur. Donc, la vie est très difficile. Je comprends. La vie est pas rose. Bon, bah, écoutez, je ne peux que vous souhaiter une amélioration que j'espère rapide, Lamia. L'espère tous. Merci. Et je vous remercie d'avoir apporté votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Françoise est avec nous. Bonjour, Françoise. Oui, bonjour. Je vous téléphone parce qu'en fait, on entend rarement la voix des propriétaires. Et c'est pour ça que nous sommes heureux de vous accueillir sur l'antenne d'Europe 1. Voilà. Et qu'en fait, moi, je téléphone parce que je trouve qu'il est normal qu'il y ait de moins en moins de logements en France parce que la loi est vraiment contre les propriétaires, que l'État français fait payer le poids du social aux bailleurs privés et que moi, je n'ai pas beaucoup d'argent. J'ai un petit appartement qui me sert à vivre. Là, ça fait 3 mois que les locataires ne paient pas et que je n'ai pas d'argent. Il faut que je paye mon syndic, que je paye les taxes foncières et que c'est tout. Et qu'il faut que j'aille en justice, que ça coûte très cher, que c'est très long et que les gens malhonnêtes, il y en a quand même pas mal, locataires savent très bien s'ils sont malhonnêtes qu'ils peuvent rester. Et que voilà, alors c'est sympathique de dire les locataires doivent être protégés, mais à force de protection, mais les gens veulent plus louer. Moi, dès que je récupérerai cet appartement, je le vendrai, j'aurai un peu d'argent et c'est tout. C'est-à-dire que spontanément, Françoise, on va continuer à dialoguer, mais spontanément, c'est vrai qu'on sera plutôt du côté de
de cette jeune femme qui se retrouve à la rue avec deux enfants en bas âge. On imagine que la vie est difficile plutôt que du côté de celui qui possède le logement. Mais vous l'expliquez très bien, celui qui possède le logement a aussi ses propres contraintes. Oui, mais celui qui possède le logement, il peut aussi ne pas avoir d'endroit où habiter. Il peut être dehors, d'accord, et le locataire est dans un appartement, il ne paye pas, c'est gentil. Mais vous, en l'occurrence, depuis 3 mois, dites-vous, vous enregistrez un non-paiement du logement que vous louez. Qu'est-ce que vous allez faire alors ? Ah ben je fais déjà, j'ai loué pour un an en meublé parce que j'étais à la campagne, là à Paris j'ai pas de logement, je suis ma fille, c'est gentil, et j'attends, et donc j'avais loué avec un bail meublé, qu'est-ce que je fais ? Je suis allée chez l'huissier, j'ai déjà fait une demande de paiement, après j'ai fait 6 mois à l'avance parce que la loi est extrêmement sévère, j'aurais dit que le bail prenait fin à février 2016, maintenant je suis l'avocat lundi, j'ai payé 1500 euros, j'ai déjà 2500 euros de frais, j'ai pas de loyer payé, enfin, je veux dire, et là j'ai juste acheté cet appartement pour avoir un revenu, mais j'ai pas volé cet argent, je veux dire, c'est gentil de protéger les locataires, mais les protéger, mais ils sont ultra protégés, ce qui fait qu'après on n'a plus envie de louer, on loue à la semaine, on vend, c'est tout. Après on dirait, il y a trop de gens qui louent à la semaine, c'est scandaleux, non, c'est pas du tout scandaleux, si l'État français veut faire du social, qu'il le fasse, qui payent les propriétaires privés, qui ne sont pas des... Je veux dire, on a besoin de notre argent comme tout le monde. D'accord. Et ben c'est tout. Et cette voix qu'on entend tout le temps, les pauvres, les pauvres, les pauvres, à force de trop de social, c'est-à-dire c'est gentil, c'est pas bien de faire ça parce que on a autant besoin. Moi, j'ai besoin de logement, j'ai besoin d'être logé, j'ai besoin d'argent, comme tout le monde. D'accord. Et c'est pas valable, c'est tout. Bon, ben merci Françoise d'avoir livré votre vécu, qui est, on le comprend, complexe aussi sur l'antenne d'Europe 1. Et sans savoir ce qui est bien ou pas bien, nous avons entendu à la fois une jeune femme qui est dehors avec deux enfants en bas âge, ce qui doit être difficile, et une propriétaire qui, son loyer n'étant pas payé, juge aussi que sa situation n'est pas acceptable. Merci à tous d'avoir contribué à la richesse de ce débat sur l'antenne d'Europe 1.